Psaume 41. Au directeur musical, psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux petits, Jéhovah le sauvera au jour du malheur. Jéhovah le préservera et le gardera en vie. Il sera déclaré heureux sur la terre. Tu ne le livreras jamais à la volonté de ses ennemis. Jéhovah le soutiendra sur son lit de douleur. Pendant sa maladie, tu changeras complètement son lit. J'ai dit, ô Jéhovah, accorde-moi ta faveur, guéris-moi, car j'ai péché contre toi. Mais mes ennemis parlent méchamment contre moi. Quand mourra-t-il et quand son nom périra-t-il? Lorsque l'un d'eux vient me voir, son cœur parle avec fausseté. Il recueille quelque chose de malfaisant à dire. Puis il sort et le répand dans toutes les directions. Tous ceux qui me haïssent chuchotent entre eux. Ils projettent quelque chose de mauvais contre moi. Ils disent « Quelque chose de terrifiant l'a saisi. Maintenant qu'il est à terre, il ne se relèvera plus. » Même l'homme en paix avec moi, en qui j'avais confiance, qui mangeait mon pain, a levé son talon contre moi. Mais toi, ô Jéhovah, accorde-moi ta faveur et relève-moi pour que je leur rende ce qu'ils méritent. À ceci je saurai que tu m'aimes, quand mon ennemi ne pourra plus pousser de cris de triomphe à mon sujet. Quant à moi, tu me soutiens en raison de mon intégrité. Tu me garderas en ta présence pour toujours. Que Jéhovah, le Dieu d'Israël, soit loué pour toute l'éternité. Amen et Amen. Psaume 43. Juge-moi, ô Dieu, plaide ma cause contre une nation infidèle. Sauve-moi de l'homme de tromperie et d'injustice, car tu es mon Dieu, ma forteresse. Pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi dois-je circuler attristé à cause de mon ennemi qui m'opprime? Envoie ta lumière et ta vérité, que celle-ci me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à ton tabernacle grandiose. Alors, je viendrai à l'autel de Dieu, vers Dieu ma joie suprême, et je te louerai avec la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi suis-je désespéré? Pourquoi cette agitation en moi? J'attendrai Dieu, car je le louerai encore. Il est mon grand sauveur et mon Dieu. Psaume 41. Au directeur musical, psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux petits. Jéhovah le sauvera au jour du malheur. Jéhovah le préservera et le gardera en vie. Il sera déclaré heureux sur la terre. Tu ne le livreras jamais à la volonté de ses ennemis. Jéhovah le soutiendra sur son lit de douleur. Pendant sa maladie, tu changeras complètement son lit. J'ai dit, ô Jéhovah, accorde-moi ta faveur, guéris-moi, car j'ai péché contre toi. Mais mes ennemis parlent méchamment contre moi. Quand mourra-t-il et quand son nom périra-t-il? Lorsque l'un d'eux vient me voir, son cœur parle avec fausseté. Il recueille quelque chose de malfaisant à dire, puis il sort et le répand dans toutes les directions. Tous ceux qui me haïssent chuchotent entre eux. Ils projettent quelque chose de mauvais contre moi. Ils disent « Quelque chose de terrifiant l'a saisi. Maintenant qu'il est à terre, il ne se relèvera plus. » Même l'homme en paix avec moi, en qui j'avais confiance, qui mangeait mon pain, a levé son talon contre moi. Mais toi, ô Jéhovah, accorde-moi ta faveur et relève-moi pour que je leur rende ce qu'ils méritent. À ceci je saurai que tu m'aimes, quand mon ennemi ne pourra plus pousser de cris de triomphe à mon sujet. Quant à moi, tu me soutiens en raison de mon intégrité.
tu me garderas en ta présence pour toujours. Que Jéhovah, le Dieu d'Israël, soit loué pour toute l'éternité. Amen et Amen. Psaume 43. Juge-moi, ô Dieu, plaide ma cause contre une nation infidèle, sauve-moi de l'homme de tromperie et d'injustice, car tu es mon Dieu, ma forteresse. Pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi dois-je circuler attristé à cause de mon ennemi qui m'opprime? Envoie ta lumière et ta vérité, que celle-ci me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à ton tabernacle grandiose. Alors, je viendrai à l'autel de Dieu, vers Dieu ma joie suprême, et je te louerai avec la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi suis-je désespéré? Pourquoi cette agitation en moi? J'attendrai Dieu, car je le louerai encore. Il est mon grand sauveur et mon Dieu. Psaume 41. Au directeur musical, psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux petits, Jéhovah le sauvera au jour du malheur. Jéhovah le préservera et le gardera en vie. Il sera déclaré heureux sur la terre. Tu ne le livreras jamais à la volonté de ses ennemis. Jéhovah le soutiendra sur son lit de douleur. Pendant sa maladie, tu changeras complètement son lit. J'ai dit, ô Jéhovah, accorde-moi ta faveur, guéris-moi, car j'ai péché contre toi. Mais mes ennemis parlent méchamment contre moi. Quand mourra-t-il et quand son nom périra-t-il? Lorsque l'un d'eux vient me voir, son cœur parle avec fausseté. Il recueille quelque chose de malfaisant à dire, puis il sort et le répand dans toutes les directions. Tous ceux qui me haïssent chuchotent entre eux. Ils projettent quelque chose de mauvais contre moi. Ils disent « Quelque chose de terrifiant l'a saisi. Maintenant qu'il est à terre, il ne se relèvera plus. » Même l'homme en paix avec moi, en qui j'avais confiance, qui mangeait mon pain, a levé son talon contre moi. Mais toi, ô Jéhovah, accorde-moi ta faveur et relève-moi pour que je leur rende ce qu'ils méritent. À ceci je saurai que tu m'aimes, quand mon ennemi ne pourra plus pousser de cris de triomphe à mon sujet. Quant à moi, tu me soutiens en raison de mon intégrité. Tu me garderas en ta présence pour toujours. Que Jéhovah, le Dieu d'Israël, soit loué pour toute l'éternité. Amen et Amen. Psaume 43. Juge-moi, ô Dieu, plaide ma cause contre une nation infidèle, sauve-moi de l'homme de tromperie et d'injustice, car tu es mon Dieu, ma forteresse. Pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi dois-je circuler attristé à cause de mon ennemi qui m'opprime? Envoie ta lumière et ta vérité, que celle-ci me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à ton tabernacle grandiose. Alors, je viendrai à l'autel de Dieu, vers Dieu ma joie suprême, et je te louerai avec la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi suis-je désespéré? Pourquoi cette agitation en moi? J'attendrai Dieu, car je le louerai encore. Il est mon grand sauveur et mon Dieu. Psaume 41. Au directeur musical, psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux petits, Jéhovah le sauvera au jour du malheur. Jéhovah le préservera et le gardera en vie. Il sera déclaré heureux sur la terre. Tu ne le livreras jamais à la volonté de ses ennemis. Jéhovah
le soutiendra sur son lit de douleur. Pendant sa maladie, tu changeras complètement son lit. J'ai dit, « Ô Jéhovah, accorde-moi ta faveur, guéris-moi, car j'ai péché contre toi. » Mais mes ennemis parlent méchamment contre moi. Quand mourra-t-il et quand son nom périra-t-il? Lorsque l'un d'eux vient me voir, son cœur parle avec fausseté. Il recueille quelque chose de malfaisant à dire, puis il sort et le répand dans toutes les directions. Tous ceux qui me haïssent chuchotent entre eux. Ils projettent quelque chose de mauvais contre moi. Ils disent « Quelque chose de terrifiant l'a saisi. Maintenant qu'il est à terre, il ne se relèvera plus. » Même l'homme en paix avec moi, en qui j'avais confiance, qui mangeait mon pain, a levé son talon contre moi. Mais toi, ô Jéhovah, accorde-moi ta faveur et relève-moi pour que je leur rende ce qu'ils méritent. À ceci je saurai que tu m'aimes, quand mon ennemi ne pourra plus pousser de cris de triomphe à mon sujet. Quant à moi, tu me soutiens en raison de mon intégrité. Tu me garderas en ta présence pour toujours. Que Jéhovah, le Dieu d'Israël, soit loué pour toute l'éternité. Amen et Amen. Psaume 43. Juge-moi, ô Dieu, plaide ma cause contre une nation infidèle. Sauve-moi de l'homme de tromperie et d'injustice, car tu es mon Dieu, ma forteresse. Pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi dois-je circuler attristé à cause de mon ennemi qui m'opprime? Envoie ta lumière et ta vérité, que celle-ci me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à ton tabernacle grandiose. Alors, je viendrai à l'autel de Dieu, vers Dieu ma joie suprême, et je te louerai avec la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi suis-je désespéré? Pourquoi cette agitation en moi? J'attendrai Dieu, car je le louerai encore. Il est mon grand sauveur et mon Dieu. Psaume 41. Au directeur musical, psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux petits. Jéhovah le sauvera au jour du malheur. Jéhovah le préservera et le gardera en vie. Il sera déclaré heureux sur la terre. Tu ne le livreras jamais à la volonté de ses ennemis. Jéhovah le soutiendra sur son lit de douleur. Pendant sa maladie, tu changeras complètement son lit. J'ai dit, ô Jéhovah, accorde-moi ta faveur, guéris-moi, car j'ai péché contre toi. Mais mes ennemis parlent méchamment contre moi. Quand mourra-t-il et quand son nom périra-t-il? Lorsque l'un d'eux vient me voir, son cœur parle avec fausseté. Il recueille quelque chose de malfaisant à dire, puis il sort et le répand dans toutes les directions. Tous ceux qui me haïssent chuchotent entre eux. Ils projettent quelque chose de mauvais contre moi. Ils disent « Quelque chose de terrifiant l'a saisi. Maintenant qu'il est à terre, il ne se relèvera plus. » Même l'homme en paix avec moi, en qui j'avais confiance, qui mangeait mon pain, a levé son talon contre moi. Mais toi, ô Jéhovah, accorde-moi ta faveur et relève-moi pour que je leur rende ce qu'ils méritent. À ceci je saurai que tu m'aimes, quand mon ennemi ne pourra plus pousser de cris de triomphe à mon sujet. Quant à moi, tu me soutiens en raison de mon intégrité. Tu me garderas en ta présence pour toujours. Que Jéhovah, le Dieu d'Israël, soit loué pour toute l'éternité. Amen et Amen. Psaume 43. Juge-moi, ô Dieu, plaide ma cause contre une nation infidèle. Sauve-moi
de l'homme de tromperie et d'injustice. Car tu es mon Dieu, ma forteresse. Pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi dois-je circuler attristé à cause de mon ennemi qui m'opprime? Envoie ta lumière et ta vérité, que celle-ci me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à ton tabernacle grandiose. Alors, je viendrai à l'autel de Dieu, vers Dieu ma joie suprême, et je te louerai avec la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi suis-je désespéré? Pourquoi cette agitation en moi? J'attendrai Dieu, car je le louerai encore. Il est mon grand sauveur et mon Dieu. Psaume 41. Au directeur musical, psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux petits. Jéhovah le sauvera au jour du malheur. Jéhovah le préservera et le gardera en vie. Il sera déclaré heureux sur la terre. Tu ne le livreras jamais à la volonté de ses ennemis. Jéhovah le soutiendra sur son lit de douleur. Pendant sa maladie, tu changeras complètement son lit. J'ai dit, ô Jéhovah, accorde-moi ta faveur, guéris-moi, car j'ai péché contre toi. Mais mes ennemis parlent méchamment contre moi. Quand mourra-t-il et quand son nom périra-t-il? Lorsque l'un d'eux vient me voir, son cœur parle avec fausseté. Il recueille quelque chose de malfaisant à dire, puis il sort et le répand dans toutes les directions. Tous ceux qui me haïssent chuchotent entre eux. Ils projettent quelque chose de mauvais contre moi. Ils disent « Quelque chose de terrifiant l'a saisi. Maintenant qu'il est à terre, il ne se relèvera plus. » Même l'homme en paix avec moi, en qui j'avais confiance, qui mangeait mon pain, a levé son talon contre moi. Mais toi, ô Jéhovah, accorde-moi ta faveur et relève-moi pour que je leur rende ce qu'ils méritent. À ceci je saurai que tu m'aimes, quand mon ennemi ne pourra plus pousser de cris de triomphe à mon sujet. Quant à moi, tu me soutiens en raison de mon intégrité. Tu me garderas en ta présence pour toujours. Que Jéhovah, le Dieu d'Israël, soit loué pour toute l'éternité. Amen et Amen. Psaume 43. Juge-moi, ô Dieu, plaide ma cause contre une nation infidèle, sauve-moi de l'homme de tromperie et d'injustice, car tu es mon Dieu, ma forteresse. Pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi dois-je circuler attristé à cause de mon ennemi qui m'opprime? Envoie ta lumière et ta vérité, que celle-ci me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à ton tabernacle grandiose. Alors, je viendrai à l'autel de Dieu, vers Dieu ma joie suprême, et je te louerai avec la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi suis-je désespéré? Pourquoi cette agitation en moi? J'attendrai Dieu, car je le louerai encore. Il est mon grand sauveur et mon Dieu. Psaume 41. Au directeur musical, psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux petits. Jéhovah le sauvera au jour du malheur. Jéhovah le préservera et le gardera en vie. Il sera déclaré heureux sur la terre. Tu ne le livreras jamais à la volonté de ses ennemis. Jéhovah le soutiendra sur son lit de douleur. Pendant sa maladie, tu changeras complètement son lit. J'ai dit, ô Jéhovah, accorde-moi ta faveur, guéris-moi, car j'ai péché contre toi. Mais mes ennemis parlent méchamment contre moi. Quand mourra-t-il et quand son nom périra-t-il?
Lorsque l'un d'eux vient me voir, son cœur parle avec fausseté. Il recueille quelque chose de malfaisant à dire, puis il sort et le répand dans toutes les directions. Tous ceux qui me haïssent chuchotent entre eux. Ils projettent quelque chose de mauvais contre moi. Ils disent « Quelque chose de terrifiant l'a saisi. Maintenant qu'il est à terre, il ne se relèvera plus. » Même l'homme en paix avec moi, en qui j'avais confiance, qui mangeait mon pain, a levé son talon contre moi. Mais toi, ô Jéhovah, accorde-moi ta faveur et relève-moi pour que je leur rende ce qu'ils méritent. À ceci je saurai que tu m'aimes, quand mon ennemi ne pourra plus pousser de cris de triomphe à mon sujet. Quant à moi, tu me soutiens en raison de mon intégrité. Tu me garderas en ta présence pour toujours. Que Jéhovah, le Dieu d'Israël, soit loué pour toute l'éternité. Amen et Amen. Psaume 43. Juge-moi, ô Dieu, plaide ma cause contre une nation infidèle. Sauve-moi de l'homme de tromperie et d'injustice, car tu es mon Dieu, ma forteresse. Pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi dois-je circuler attristé à cause de mon ennemi qui m'opprime? Envoie ta lumière et ta vérité, que celle-ci me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à ton tabernacle grandiose. Alors, je viendrai à l'autel de Dieu, vers Dieu ma joie suprême, et je te louerai avec la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi suis-je désespéré? Pourquoi cette agitation en moi? J'attendrai Dieu, car je le louerai encore. Il est mon grand sauveur et mon Dieu. »